Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo. Dans cette vidéo, on sera en patrouille raid sur le serveur de Monsieur Rasuper Arma for Life. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Pour le secours, non? Pour le secours? Ah oui, non. Si, non, je vois pas. Ah, en haut, peut-être il est. Ouais, je sais pas. Derrière Bravo, le véhicule reprend direction Folle Charge depuis aéroport sur la route. Bravo, le véhicule prend en direction stand de tir depuis Folle Charge. Oscar de Rialfa, transmettez. Ouais, je suis actuellement Folle Charge, j'essaie de rattraper le véhicule si je peux. Mais si pour l'instant vous êtes seul sur la course poursuite, c'est si Alpha et Oscar out. Alpha et Oscar. Transmettez. Vous rendez sur des lobes de force SP s'il vous plaît. Suivez, on prend les pas. Demandez voir à Oscar s'il veut qu'on se joigne à la poursuite ou pas. Pas demande. Oui. Oscar de Bravo. Transfert. Souhaitez-vous qu'on se joigne à la poursuite? Et si vous êtes dans le secteur, vous rapprochez sur. Affirmatif. Demandez position à Rialfa. Position. J'ai pas le véhicule en visuel donc je suis remonté jusqu'à stand de tir, pas de visuel, je vais aller avec son paradise. Personne? Ok. Ouais, il a dû nous reprendre la plage le long de l'autre côté d'après moi. Ouais, ça c'est Folle Charge.
Ok. Ouais, par la plage. Ok, bon, bonne nuit. Ouais. Je vous laisse chercher de ce côté. C'est le chef à tout ce que... Bon spectacle, c'est très bien. Actuellement, au niveau des plages de... Faut le chercher. Actuellement, station service acheteur de pétrole pour plein de... Derrière. Contrôle d'identité. C'est très s'il vous plaît. Vous descendez du véhicule s'il vous plaît. En patrouille avec. Je te jure, tu dis pas ce que je pense. C'est juste. Oscar de CSIF. Véhicule retrouvé plage Folcher. C'est juste un contrôle. C'est suivi, il y a pas, c'est suivi. Suivi. Pack Bravo G, je suis derrière également. Suivi, j'ai été engagé, vous avez comme direct. Suivi. Scar de Mac Alpha. On est Folcher, on se rapproche. EVTL, s'il vous plaît. Nous sommes Folcher, nous nous rapprochons. Suivi, vous plaît, c'est DRC. Pack Bravo, ça fait demi-tour, on reprend principal croisement Folcher, je suis pas là. Scar de Alpha. Transmettez. Vous êtes en place DR. Affirmative. Ah, oui. Bac Bravo, ça continue, ça descend direction commissariat. Ah non, ça va pas. Ah, mais j'arrive plus. Arrête-toi de marcher là. Ça prend direction réserve naturelle depuis l'aéroport. On va attendre qu'il remonte. Ça remonte, on passera des. Je suis au niveau du refus d'entraînement, vous voulez que je m'engage ou pas? Il va remonter, c'est sûr. Vous vous placez derrière sans fonction. Oscar. Continuez Oscar, on est au stand de tir un peu avant. Plus, on reste sous position au cas où ça arrive au fond. Ah, c'est suivant, prenez. Oscar de Bravo. Transmettez. Bravo, c'est mis en stand-by au niveau du stand de tir maintenant du véhicule. Vous allez placer une heure ici de ce côté-là. Direction Fermignon par les petits chemins. Non, un peu plus loin de la route là. Voilà, impeccable. Là, ok. Et au cas où, si ça arrive, il faut que vous soyez prêt à en mettre une derrière vous. Ah, je crois. Je crois que l'Excel. À tous, Scar. On se mettait. Vous direz sur la station de l'Excel, s'il vous plaît. Tu y en prends départ. De Pac Bravo, on arrive à Ferme Union depuis le chemin. Bravo, de Scar. Transmettez. Vous vous rendez sur la station de l'Excel également, vous avez communication avec. Oscar de CSI Bravo. Transmettez. Je bloque un point. Tiens, mettre sur le point de certain nombre de poissons. Pour refus d'obtempérer, Pac Bravo, on est quartier Est Union, on va reprendre croisement de faute de voie. Tu es d'Oscar, pas quel fan d'Oscar. Des véhicules au bout. Ah merde. Oscar de Bravo. Pont bloqué par des véhicules. Enfin, pont côté. Bravo. Et suivi celle-ci, Bravo d'Oscar. Oui, du monde quoi. Bon, on va bien voir. Hein, je vois rien. Est-ce que toi, vous assurez qu'il n'y ait pas bloqué s'il vous plaît? Je suis.
les raids rentrent actuellement sur le pont, donc je pense que... Ah, ça sent un train, ça veut dire qu'il y a négatif. Oscar de Red Alpha. Transmet M. Pont depuis de l'exit bloqué par deux véhicules. Des individus. En attente. Affirmatif, deux individus au niveau des véhicules. Barré par GL63, station effectuée sur notre véhicule. Vous leur dites qu'on... Dites qu'on s'est tiré dessus. C'est bravo, on s'est tiré dessus. Et on monte sur Sunset au cas où. J'ai posé des points perdus. Oh mais ça tire. Vous leur dites qu'il y a du monde sur Sunset. Avant de poser les points, c'est la priorité, au moins que toutes les patrouilles soient au courant. À toutes les unités engagées sur la station de l'Exal, je vous demande de passer sur la courte de raid afin de mettre en place une stratégie, s'il vous plaît. Oscar de Bravo. Transmettre. Impact au niveau de Sunset. Suivez. Maintenant, c'est le Brico qu'ils attaquent. Super. Oscar, McDo sur l'excès également, donc vous mettez en place votre stratégie sur la courte de raid et que seulement raid nous fera le site rep et votre transmettra la stratégie s'il vous plaît. Vous allez sur la fréquence du raid Attendez, vous expliquez, vous allez sur la fréquence raid, vous expliquez deux packs de notre côté. De raid dans un véhicule de type John Cooper Works qui part de Sunset. Raid sur courte. On a deux gars sur le pont de paradis. Tu vois, il est engagé. C'est une bug alpha. J'essaie de nous tirer dessus jusqu'à l'autre bout. Hein. Oscar de Paflango. Transmet M. Véhicule rose immatriculé ON550UN. Confirmé celui du refus d'obtempérer. Celui du braquage sur l'exide, qui était sur balai. Qu'est-ce que vous pouvez mettre point sur carte s'il vous plaît. Il a bougé, j'ai plus de vie dessus. Paf tango. 83. Contrôle P. Mais sur quelle courte? Sur la courte de Rennes, non? Il faut être sur cette courte. Je suis dessus. Est-ce que vous pouvez vous rendre disponible hein d'ici 5 minutes. Paf sur votre courte. C'est vite, après vous rendrez en fort du braquage de l'Exide, vous prenez connaissance sur contre aide. C'est suite. Du lieutenant de Lamar aux patrouilles qui passent à côté d'un balisage. Faites attention s'il vous plaît, vous venez de failli faire un accident avec des pompiers. Merci. Un alpha 83. Chez Oscar. Paf, vous êtes sur cette fréquence ou pas? Pourquoi il l'a pas pris? Ça m'énerve cette radio là qui change chaque fois de. Paf, vous êtes sur cette fréquence ou pas? Oui. Pour la paf tango, est-ce qu'il me reçoit? Paf tango, est-ce que vous êtes là de Bravo? Affirmatif. Ouais. Est-ce que vous êtes disposé à sortir un hélico? Oui, c'est possible. Ah, bah on se rejoint au commissariat là. Reçu. Montez. Reste le pont fermé. Les agents sont de l'autre côté, je crois. Non. Si. Alors, ça te sera rapproché de là-bas. Ouais. Messieurs, vous m'entendez? Ouais, vous rapprochez plus, on a bloqué le pont plus haut là, il y a personne au bout de la. Ça tire également de côté cité. On a actuellement. Pour information, le commandant Viper, je les vois avec pas pour sortir une barre raide. Sur place, c'est reçu. Si, bravo sur corps. Bonjour.
Oscar, ça tire de partout. Prends l'inside, prends l'inside. Pour être pour information, il y aura une pafrette qui va sortir. Donc à toutes les unités, Red Alpha a perdu un collègue sur le coup. Un collègue au sol. Pourquoi il est sorti de la voiture sur le coup? Donc pour l'enjeu de ton gré, ça prend CSP depuis Péritonia Sud. Regardez s'ils ont s'ils sont un peu Tu fasses quoi pendant que vous êtes dans les airs? C'est si vous venez avec nous dans les airs. C'est sûr. Signaler à Oscar que la patrouille. Bravo. Enfin, que moi-même je serai en pas frais dès que vous serez avec nous dans la patrouille. Oscar, pas. Transmettez. Je me sens que j'arrive. Je suis aussi très pressant de ce qui se passe en fait. Négatif. À la tire comme bonjour. Donc, pour vous faire une application, on a le brigadier chef Kenobi à terre, Red et CSU se sont pris un peu plus loin du canton. Plusieurs tireurs au niveau de l'Exile, on ne peut toujours pas rentrer. Sur court, là, vous avez un temps d'attente pour faire un déploiement de. Je suis en train de m'habiller, on va partir d'ici. Affirmatif. Oscar de Bravo. Transmettez Bravo. J'informe donc que le commandant Viper va prendre un raid pour monter en pas Fred et que moi-même je vais monter dans l'hélicoptère. C'est suivi. Transmettez pas Tango. Donc pour vous informer que c'est une mise en service de Patrick Puff Tango, c'est une remise en service de Patrick Puff Hotel. 3 effectifs à bord d'un 635 Red demande autorisation de décoller depuis le commissariat central. D'accord, rendez-vous. Merde. Y'a quelqu'un sur Inter, sur courte ou pas? Oui, y'a un Red et CSI, on est sur le pont, j'ai un collègue au sol. Fin de service, tu veux. Parfait, quel côté du pont? Ils sont sur l'Exide. Direct sur l'Exide. Ça marche, vous avez percé un côté de paradis ou pas? Non, il y avait Bravo, mais vas-y. Il y a les agents de sécurité au cas où côté paradis. Ok, ça marche, je me dirige vers paradis. Pour celle-ci, il y a un véhicule noir sur plage côté ville. C'est-à-dire côté ville? Bah, côté ville. Côté Sunset? Deckside. Ok, ça marche. Cité du coup. Merci. Donc, type Tesla noir pour le véhicule. Mouvement ou pas? Ah, ça nous tire dessus, on sait pas d'où, ça vient des plages. Ah, ça vient des plages. Bon. Non, vous voulez que je vous mette en tireur pour regarder les caméras? Je ne sais pas. Nous, pour notre part, de Red et CSI, on bouge, on a l'impression que ça nous tire dessus de derrière. Ouais, on bouge, on se fait tirer dessus un petit peu de tous les côtés, ou alors ça tire deux fois deux. T'es parti ou... Si, je suis parti. Ouais, puis ça tire sur nous. Vous voulez prendre quelle position? Je prends opposé par rapport au pilote. Oscar de Vagalfa. Ouais, pour information, il y a un tireur qui est près de la Syrie sur l'île principale, on va chercher avec ça. Pour information, des tireurs un peu partout, île principale aussi. C'est pas la centrifuge qui nous tire dessus aussi. J'ai l'impression que ça tirait des rochers sur ma position. Ok. S'il peut le prendre, s'il veut. Peu importe. C'est quel fait le scar? Vous mettez à peu près 700 mètres de hauteur. Affirmatif, différents tirs ont été entendus sur l'île principale. Qu'est-ce que vous avez une position approximative? Non, pas. Approximatif rocher, près du casino, je vais vous placer un marqueur. Ah, mais t'es sûr que c'est pas l'agent de sécu qui nous tirait dessus? Non, pas prêt pour l'information des collèges de commissariat. Non, je le signale sur la fréquence. Sur le pont, on a dû faire reculer. On se faisait vraiment tirer dessus de tous les côtés.
Ouais, affirmatif de vacances, ouais, c'était mis sur le côté, on prend les tirs aussi. CSI, je vais avoir au niveau des éoliennes. Oui. CSI Alpha, je suis à côté bon paradis de véhicules qui bloquent toujours des tireurs. CSI, pour Red, sur ma position, pilote, il y a une moto à abandonner au niveau des. J'ai placé sur le cadre du côté derrière. Moto à l'arrêt, sur ma position. C'est reçu, c'est là-dessus pour les patrouilles. Pilote, antenne SFR sur la montagne. Je prends des pas, ouais, je vais être quoi? Au niveau du casino, alors je vais faire mon point. Bon, moi de mon côté, côté paradis, je me replie, je vais direction Lexa, ça sert à rien ici, ils sont trop. Yes, viens vers nous. Arrête de voir si il a pas peut-être m'appuyer, ça serait pas bon. Ah, le pape hôtel, on arrive sur position. Ça marche, on va essayer de taper par le paradis, alors si c'est bon. Ah oui, il y a une bagnole. Signalez-le. Ça doit être une. Ah, c'est, ouais, c'est, le, c'est le raid. Je suis au niveau de l'antenne, t'es où? Je suis à côté de l'antenne, tu dois être à la mauvaise antenne. Ah oui, non, effectivement, il y a une moto. Signalez-le. Ah, c'est bon, je le savais, il est ça. Je vois personne. On va s'occuper déjà du pont, c'est plus important. Dans l'hélico, t'arrives à voir. Ok, je vois. Pour l'instant, ici, les gens voient au niveau du pont. Pas fait sur le pont, effectivement, un individu derrière le véhicule. Ici, il est là-bas. On va en prendre deux plaques, on est d'accord. Ah, mais si, on peut les lire d'ici, les plaques aussi. Écoute, il y a là actuellement. Mais ils sont montés dans un véhicule. Oui, il est dans la voiture. Il y a quelqu'un, tu le vois, il est derrière la voiture. Bah ouais, je le vois. Il est où? Il monte dans un véhicule. Ils ouvrent le pont. Je vais tirer dessus, ça me sert dessus. Pour information de PAF, j'ai deux individus. Des véhicules quittent le pont, je répète. Par en mini. Le pont. Côté Lexa. Putain, non, c'est sûr, vous pensez qu'on peut rentrer ou pas? Sur l'antenne, en haut, sur l'antenne, il y a un gars. L'antenne? Le RLFA de nouveau, ça fait trop. Pas Fred de Mac. Tu es le scar. Je suis. Ah, il y a un avion! Enfin. Pensez qu'on peut rentrer sur le pont. En dessous, il y a un avion. Bah, actuellement, le pont a l'air libéré au niveau côté Lexa. Ah oui, il y a un avion sur Lexa, c'est trop bien. Oscar de Pont. Pour information, il y a un avion sur Lexa. Allez. Sérieux. Oscar de Quelqu'un. Transmettez. École. École, oui, l'école, il a du Léon. Au milieu de Lexa. Au niveau de l'antenne, côté île principale. Côté île Lexa. Pour information, l'avion décolle. L'avion décolle. Non, signalez-le, Oscar. Moi, j'ai pas Oscar. Oscar, Back Alpha. Transmettez Back Alpha. Pour information, un avion décolle depuis Lakeside. Essaye de te mettre. Non, mais il faut que je puisse tirer dessus. Suivi, transmettez pas Fton. Annulé, ça a été informé. Tournez vers la droite. Il se dirige vers où? Ouais, vers la droite, ok. Donnez la direction de l'avion. L'avion se dirige vers l'île de Parc pour l'instant. Pour l'instant, je peux pas le viser. Mais qu'est-ce que c'est celui pour pas Fred? Vous manquez quoi là? Attendez, bougez pas. Okay. Je m'engage sur Pompa, étant donné que je vois plus personne derrière la véhicule. Ah, je peux pas l'avoir, là, je suis trop. Je le suis, moi je le suis, je regarde. Il va s'arrêter au jardin. Essayez de suivre au maximum. Pas Fred de. Ouais. Pas Fred de. Confirmez si vous tirez. Affirmatif, j'essaie de tirer sur l'avion à la base. C'est ensuite qu'il a décollé. Affirmatif, il a décollé, j'ai accès à l'avion. Il monte vers le ciel. Ouais, bien sûr. Escarve Alpha. Ouais, bah il monte, c'est là. Bon, je confirme bien, l'avion a décollé, direction 8 de part pour affaire au. Je le vois, il est. Pour l'instant, pour information, il est monté en l'air, il est au-dessus de l'île de part. Je vais toujours avec ma caméra, hein. C'est ça, c'est vrai. Vous prenez pas de l'altitude, on va essayer de viser, de l'avoir le plus en vision. Ah, donc pour information, on avait au minimum 3 personnes qui sont montées dans l'avion et qui ont décollé. Vous savez qu'il n'y a plus personne sur zone, hein, de par feu. Je ne peux plus le voir à l'avance. Transmettez.
Moi j'ai vu c'est lui. À la rigueur. Ouais. Oui, je vois. Sur courte, un individu en moto qui est sur la position de l'ambulance, vous êtes dessus par derrière. Est-ce qu'on a autorisation de. Non, je vais en haut en visu. Il plonge. Je sais pas vers où. Il redescend en fait, il est vers Costa. Ah ouais, c'est sûr. Pardon. Il est à Costa. Non, je pense qu'il est sur une route de véhicule, mais je crois pas pour l'instant. Ah, il y a peut-être un aéroport, Johnson. Demandez les informations, Oscar. On passe sur les deux magasins, station service McDo. Oscar de Pafred. Transmettez Pafred. L'avion survole actuellement, Johnson. Impossible, négatif. Oui. J'ai toujours un visu. Ouais. Là il passe au-dessus du concess. Ouais. Il reprend. Oui, mais lui il a un truc. Oula! Oula! Non! Il a fait quoi? Non! Il a perdu, c'est bon. Si, je suis que là. Oscar de Bravo! Oscar de Pafred, l'avion vient d'exploser au pont de Gatun. Il a fait une mauvaise manip dans les airs, il s'est crashé. Aucun point sur l'endroit. J'ai un point, Vous pouvez me plaquer les véhicules. C'est un Zapiros d'orientation et frache que ça. Une fois que Erit arrive sur place, on va essayer pour vérifier les prises. Un peu plus tôt dans la soirée, j'ai vérifié chez Monsieur Mel. Il y avait Monsieur Storm avec. Sur la nage ? Non, ils sont morts. Alors j'avoue que c'est trop stylé quand même. Confirmé aucune balise retrouvée dans la mer. Bah non. Ah bah non. Ils vont pas faire de balise, pas rêvé hein. Oh mais comment ils sont crachés ça, c'est impossible. Ils sont là. Ok, donc on peut y aller. On laisse Eri garder la sonde. C'est Eri quoi de pas fautel pour la patrouillerie côté Gatou de 8 ans de Fribourg. Ouais, c'est bien su, nous on quitte la zone, on vous laisse la surveillance. Et après on va essayer de voir les airs au niveau de l'Exai de nous. Le PAF hôtel pour information, enfin pas près, donc on fait retour sur l'Excel. C'est reçu, donc plus personne sur zone, dernier véhicule côté paradis, pardon, canal solaire. Merci pour Red. Ouais, au niveau de la vue est parfaite, hein. C'est exactement l'angle de tir suspect. Au niveau de la tour, pas d'arme en visuel, après, Les individus qui ont été remontés dans l'avion ont explosé dans le crash.
Ok, bah ça suffit. Je vous laisse faire un dernier check-up du coup au niveau de l'Exide. Si la zone est clear, je vous laisserai contacter les pompiers pour qu'ils puissent intervenir sur la balise au niveau du pont. Vous mettez un point, vous vous souvenez, enfin, je... Ah oui, vous avez vérifié les trois véhicules qui sont au milieu de l'Exide abandonnés. Nickel, par contre, la caméra c'est vraiment. Je suis là, pas. C'est cool. Bien sûr. C'est si bravo, vous êtes là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube en espérant vous revoir ou en espérant que vous regardez d'autres de mes vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.